Au milieu des rats. On va partir au milieu des rats. Hop. Alors, moi, je suis endommagé. Amitia et vous, ils ont été capturés. Vous êtes qui? Moi, c'est Millie. L'autre, c'est Arthur. Tout ça, c'est votre faute. Où est mon frère? Pas loin. Baisse la voix, tu veux? C'est chiant, prime à fond. T'en as pas besoin. Viens. Là. Les bouteilles là, non, ça va nous bloquer.
voler au train. Alors, c'est ton frère? Oui. On y va. On se bouge là. On a une idée du nombre de morts de notre côté? Difficile à dire. Des milliers, ça c'est sûr. Mais les rats compliquent le comptage. Hugo est seul avec ces criminels. Ils lui font rien. Tu comprends pas. S'il a peur, sois patiente. C'est une ruse des Valois. On doit se frayer un chemin. Non. Les rats ont décimé des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure. Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Fléau divin. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. Y a pas de place pour une guerre là-dedans. Le tonneau avec les lances. Bien vu. Tiens-toi prête. Bien joué, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. C'est bon. Pas peur, Alain. C'était quoi, ça? C'était rien. Jamais. Oh. Les suspects ici, traînez pas! Dingue! Laissez rien au hasard! C'est chaud, hein? Tout ça parce que j'ai pris la bouteille. Hein. Des villages valois. On rapporte des milliers de morts par morsure, contagion. C'est un fléau. On doit se frayer un chemin. Et c'est que le début. Il n'y a pas de place pour une guerre là-dedans. Le bras zéro, c'est du métal. Non, on va être bloqué. Tu as vu ça? Ça fera pas assez de bruit. Le tonneau avec les lances, bien vu. Tiens-toi prête. Oui, Arthur. On y va. Fais gaffe aux bouteilles. Qu'est-ce que c'est? Je vais toucher. Fais attention. Quelle plaie d'attendre entre deux batailles. Et les deux là avec leur arc. Oh, ils s'entraînent sur... un or. Eh oui. Dingue. C'est ça la guerre. Oh. Voilà comment on enseigne la discipline, je vois. Reste baissé. D'accord. Hier. Salut, salut héros, ouais, comment vas-tu? Ces cons-là chargent sans réfléchir. Juste pour. On y va. Putain, il passe juste à rien. Et leur armure qui brille. Suffit de trouver la brèche et hop! Quoi de neuf, héros? C'est sur quel jeu en ce moment? C'était une sacrée putain de victoire, je vous le dis. Ah, la Witcher 3, c'est... La Guyenne est de nouveau anglaise, les gars. Faut que je le refasse aussi. C'est fantastique. Le pic. On les repousse là. Avec des torches, Terra. On va devoir passer par là. Regarde, la marmite. Ouais, t'as l'œil, dis donc. Comme des diables. Et s'ils t'attrapent? Oh, là. On y va, à gauche. Fais attention, je connais les ordres. Sauter là. Rien. D'accord. Quel genre de prisonnier justifie de rançon aussi élevée? Les enfants de Valois. Le fils et la vie. Je te prie. Chevalier Robert de Rue. Le chevalier à l'arbre. Ses faits d'armes du temps où il guerroyait sont célèbres. Mais il n'est plus au service du roi Philippe. Un tel intérêt pour des enfants est étrange, en effet. Ah, je savais pas qu'on pouvait monter The Witcher 3, tu vois. Tu vas prendre quelque chose. Elle doit être réveillée. Oh non, t'inquiète. C'était couru d'avance. Le modé... Alors le modé pour faire quoi exactement? Améliorer quoi? Parce qu'il est déjà... Il est toujours très beau, hein. Voyons voir... Ça... Et...
Oui, d'accord. Rochette. Je veux bien, s'il te plaît. Voilà. Amuse-toi. Bien joué. Allez, j'arrive. Et c'est juste ça, j'avais tout en fait. Ok. Là, on bataille pas. Ça va se faire rigoler là. Silence. Ellie, pas par là, ils sont trop nombreux. Manquer de pain et de vin. Ah d'accord, ok. Chaque victoire, c'est... T'es folle. Ben quoi ? C'est passé, non ? De justesse. Ouais, parce qu'ils avaient fait un sacré boulot, tu le vois, hein, parce que graphiquement, moi je l'ai pas relancé depuis, mais je suis sûr qu'il était déjà tellement en avance. C'est clair. Réjouis-toi d'être encore vivant. La fille. C'est une chose la rare ces temps-ci. Hein ? Quoi, la fille ? Mais allez, parle ! La fille s'est échappée. Sa cage est ouverte. Tout le monde la cherche. Merde ! Dispersez-vous ! Surveillez les portes et restez sur vos gardes. Une cage s'ouvre pas comme ça. C'est peut-être un coup des Valois. Profitons-en. Il y a du pont ou pas ? Qui va. Les tentes. Fouillez-moi ces tentes. Hugo, je suis là. Amicia, ça va? Tu n'as rien? Non, s'il te plaît, fais-moi sortir. Faut descendre cette cage. Ça va aller, Hugo. Dis-moi, ma fronde, ils l'avaient quand ils t'ont enfermé? Oui, ils l'ont mise dans le coffre, là-bas. D'accord. Ok. Là, je te dirais, celui que je fais là en ce moment, il est graphiquement, c'est beau aussi. Hein. Ellie, tu t'en charges. Oh, c'est très très beau. Alors c'est pas du tout Witcher, on est d'accord, mais... Putain, mais c'est pas vrai. J'ai pris une sacrée claque là. Enfin, maintenant, Hugo, je dois décrocher sa cage. Ouais, franchement, il est prenant. Tu l'avais fait, celui-là ? Facile. Ils ont dit que quelqu'un va m'emmener. Tout va bien, Hugo. On va partir d'ici. Amicia ! Oh, ils ont dit que j'allais partir et que je te reverrai plus. C'est faux, tu vois ? Je suis là. On reste ensemble, hein ? Bien sûr. Et on va partir avec Melly. Elle est là pour nous aider. C'est la voleuse. Et elle est désolée de nous avoir dénoncé tout à l'heure. Hein, Melly ? Ouais, je suis une vilaine fille. C'est bon, on peut se tirer. Prends ma main, Hugo. Allez, on y va. D'accord, il y a une sortie vers le fond du camp. Si tu sais te servir de cette fronde, vaut mieux que tu passes devant. Les tentes ! Fouillez-moi ces tentes ! Bah, c'est-à-dire que... Ah oui ! Soldats ! Au rapport ! Oh putain. Bouge un peu trop par là-bas. Je l'avais pas vu. Ouais, il est vraiment... Putain, ouais, je suis dans le caca. Je suis dans le caca et sévère. On attend ici, en espérant. Putain, mais c'est pas rien du tout. J'ai eu chaud. Ouais, très scénarisé, franchement, c'est. C'est top. Et les passages, là, c'est. J'avais fait la première partie lundi dernier. C'est quoi ça? C'est pour monter dessus. Je pense qu'il faut shooter ça en haut là. Peut-être pas. Comment est-ce qu'il va me voir? Ça. Ouais.
Putain, il va me voir. Par où on peut passer là? On peut pas faire tomber ça? La sauvegarde est automatique. C'est juste une gamine. Elle doit être terrée dans un... Oh bah tiens, il m'a trouvé. J'ai pas pigé le parcours là. Ah ok, il y en a un derrière là. Il y en a un ici. Ouais, ouais. Il m'a déjà percuté. Putain. Oh. C'est ça. C'est un élément de distraction. Est-ce que j'ai des... Ah, j'ai un pot. Ok. Ça, j'en ai un là. Faut que j'arrive là-bas, quoi. Ouais. On va essayer de balancer. Ah, il arrive. Ah putain, ouais, c'est le problème. Il a un casque, donc la fronde, ça va pas lui faire grand-chose. Rien, reprends-toi un peu. Et ça me permet de voir que j'avais zappé ça. Pour upgrade les... Ok, j'ai le pot. Ah là, il est parti. Chope direct. On va essayer de passer en force. Je sais même plus. Ouais, il est galère. Déjà, il faut que je regarde comment on court. Non, ça c'est jeté. Non. Ok, je trouvais la touche pour courir. Parce que, alors, en quelques jours, j'avais oublié. Alors ici, j'ai le truc à récupérer. Moi, j'avais pensé à la fronde. J'avais pensé à ça là. Mais j'ai pas le petit symbole. Bon, il est là. Passer à droite, peut-être. À récupérer là-bas. Oh. Alors il y a plein de pièges que tu peux faire. Des pièges. Là, tu vois, par exemple, je peux shooter un objet sur les armures pour faire du bruit. Toujours rien. Vous êtes sûr qu'elle n'est pas sortie du camp? Répartissez-vous, séparez-vous. Et faites attention aux tentes. Parce qu'en plus, il y a une donnée qu'il faut prendre en compte, c'est que là ils y sont pas, mais t'as les invasions de rats. Donc il faut générer de la lumière. Putain, il y a des trucs à ramasser, mais vas-y quoi.
Hop là. C'est pas grave. Ouais, on va essayer, mais je garantis rien. Ah, je suis plein. Okay. Ah ben, je suis coincé. Les malins. Et ouais. Je peux pas faire. Oh, putain, faut que je me dépêche. On va partir là. Ici. Ouais, la voleuse, il a failli la voir. Le problème, est-ce qu'il va falloir que je rentre dans la tente blanche, je pense, là-bas. Que ça. Ou alors à droite. Go. On tente, de toute façon, le chemin n'étant pas. Quoi ? Oh putain. Allons voir ça. Oh putain. Il n'y a pas d'autres herbes. Hein. On y arrive terminé que mal. Merci. Chaud. Ah ouais, c'est le grand méchant. Je paye une rançon pour les enfants de Rune. Et je dois les capturer moi-même. Ces Plantagenets sont vraiment des incompétents. C'est lui qui a tué mes parents. Il va nous massacrer. Melly, fuyez. Ouais, on sprint là. Élimine-les, Amicia. Et comment ? L'Inquisition ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? Arrêtez ! On n'a rien fait ! Ils veulent Hugo ! C'est le moment de se tirer ! Bon. En avant ! On a une sortie ! Remets-toi ! Ne ralentis pas, Hugo ! Suis Melly ! Amicia ! Je ne laisserai pas le prendre ! Arrête de courir ! Vite, Amicia ! Livre-nous, Hugo ! Oui, j'arrive ! Par où ? C'est pas vrai, c'est fermé. Aïe aïe aïe. C'est bon, on y va. Marchez à gauche, baissez-vous. On s'est contre-attaque. J'en sais rien, mais j'aime pas ça. Vous avez monté voir. Attention ! Y'a un garde qui monte. Par où ? Ah ok. J'aurais dû y aller avant. Il arrive. Il y a quelque chose. Yes, caillou. On va se dépêcher là. Ils ont ouvert la porte. Ils sont là. Oh putain. Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous là. Fermez là. Laissez-nous tranquille. Ouais, ça va être chaud là. Comment tu veux ? Allez, allez. Enfoncez cette porte. C'est un ordre. Ils ont ouvert la porte. Allez-y, je m'en occupe. Il n'y a pas de place pour vous là-dehors. Fermez-la ! Laissez-nous tranquille ! Amicia, ramène-toi ! Bah, c'était chaud. Hein. Là ! Ils sont là ! Attrapez-les ! Amicia ! Allez, allez.
Chapitre 7. Ouais, très très bien fait, ouais. C'est vraiment... Je l'avais vu passer ce jeu, il est sorti un petit moment, hein. Mais... C'est vrai que là... Tu sais où on va? Pour l'instant, on doit se planquer. Avec Arthur, on a un endroit. Et Lucas? Il vous attend dans votre château. On verra plus tard. Alors on va revoir Lucas? J'espère, oui. Je l'aime bien, Lucas. Il est gentil. Garde ton souffle, Hugo. On est sur la bonne piste. Allez, traînons pas. On n'est pas sortis d'affaires. Ah oui, c'est clair. C'est clair que les progrès qu'ils ont fait... Au fait, qu'est-ce que vous foutez avec l'Inquisition aux fesses? Il a quoi de spécial, le petit? C'est... compliqué. Et ton frère? Ça va aller? Il nous rattrapera. Il nous a vraiment sauvé la vie. C'était incroyable. Hé, tombe pas amoureuse, t'as compris? Ou il brisera ton petit cœur. Quoi? Mais non! Hé, un moulin! Ouais, on va traverser par là. Waouh! Pour les lumières et tout. Il est toujours... comme ça? Il a pas beaucoup vu le monde. C'est pas le meilleur moment pour commencer. Vite. Bon numéro, c'est merci fermé. De passer. Laisse-moi faire. Ouvert. Elle est géante, cette roue. C'est pour écraser le blé. On va ramasser tissu et pierre, hein, pour les crafts. Si tu fouilles un peu. Oh, le courant est trop fort. Comment on va faire pour passer? On doit arrêter là. Et comment on va l'arrêter? Amicia, on va trouver un moyen. La roue, elle ralentit. Mélie, tu peux t'en charger? Ouais. Ça marche. Ouais. Allez, il n'y a plus qu'à traverser. D'accord. Attends. D'accord. Je pourrais t'aider. Vas-y, Hugo. D'accord. Achoum. À toi, Mélie. Ça marche. Comme ça, je vais faire de côté. Amicia, aide-moi à passer et je te donnerai un coup de main de l'autre côté. Et puis bon, on va voir. Mélie, tu peux le faire? D'accord. C'est bon, arrête. Et voilà! Tu vois, c'était pas dur. On a battu le moulin. Si jamais l'Inquisition arrive jusqu'ici, ce truc-là les ralentira, monsieur. Cet atelier là pour up un peu. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Ça va me simplifier la vie. Ficelle.
Alors, quand tu pars où? On va passer par là. Allez. T'essayes de m'impressionner ou quoi? Hein? Non. Bon allez, venez. C'est joli ici. Ça sent la terre. L'aqueduc. Lucas est là-bas? J'espère. Il va pas avoir fière allure, votre château. Pourquoi? Il y avait un village ici. Il a été rasé en une nuit, il y a bien longtemps. On dit que le coin est maudit depuis. Oh, Micha. Elle plaisante, Hugo. Bien sûr que je plaisante. Depuis quand je dis des trucs vrais? Des gens habitaient ici? Oui, mais ils sont partis. Oh. Tu sais ce que c'est? Une aubépine, je crois. Personne l'aime à cause des épines, mais elle est bonne pour le cœur. Tu en sais des choses. Maman m'a appris. Alors, tu m'apprendras? Et toi, tu m'apprendras à utiliser une fronde? Marché conclu. C'est un truc caché aussi. Puis celle-là. Qu'est-ce que vous fichiez? Juste un détour. Amicia. Hugo, qu'est-ce que tu fais? Viens. Oh. Hugo. Hugo, regarde-moi. Ça recommence? C'est ta tête, c'est ça? Ça fait comme une chose qui grossit dedans. Mes jambes, elles tremblent. Me dis pas qu'il a été mordu. C'est pas la morsure, c'est quelque chose dans son sang depuis qu'il est petit. Je vais le porter. Grimpe sur mon dos si tu peux. Allez. Pardon. Ne t'inquiète pas. Si c'est dans son sang, toi, t'as rien? Non. Mais Lucas essaie de freiner son mal. C'est aussi pour ça qu'on va au château. Amicia. J'ai peur. De quoi, Hugo? De ce qu'il y a dans ma tête. T'en fais pas. Ça arrive aussi aux grands, ça. On y est. Tu vas te reposer. Enfin. Aide-moi à soulever ça. J'arrive. Hugo, descends, s'il te plaît. Tu te réserves, voilà. Ah, c'est ça ta maison? C'est une planque, bonhomme. C'est fait pour se planquer, pas pour recevoir des gens de la haute. Touche pas! C'est à mon frère. Ça vaut cher, très cher. Ça fait longtemps que vous vivez comme ça? Comme des gibiers de potence, tu veux dire? C'est comme ça chez nous. Notre père, il nous battait tout le temps. Et puis un jour, c'était la fois de trop, alors on a détalé. Mais toi, t'es noble, tu connais pas tout noble ça? Noble? Amicia! Ça veut dire quoi, ça? J'ai froid. Noble, regarde-nous bien. On n'a plus rien, Mélie. Tu te fous de moi? Qui c'est qui va nous payer, alors? Mais de quoi est-ce que tu parles? Ton copain, Lucas. Il a dit que vous étiez riche. Mais... C'est bon, oublie ça. Bon, prenez la paillasse d'Arthur. Quand il reviendra, on aura une petite discussion. Dessus. Alors, tu vois quelque chose? Non, c'était rien. Hé, hey, les gars! Par ici, venez m'aider! Où
ça va? Ça va dehors. Oui, mais dehors où? Fais-moi confiance. Et ton frère? Il aurait déjà dû être là. Désolé. L'enterre pas trop vite. Merde, restez baissés. Il a un casque. Oh, Dévorantis. Quoi? Dévorantis. Salpêtre et alcool. Merde. Ça brûle la gueule et ça ronge l'acier. Personne ne peut garder un casque sur la tête avec ça. Prépare-moi ça. D'accord. Vas-y. Vise le casque. Défonce-lui la tête avec une pierre. Allez! T'es pas un peu rabat-joie, toi? Comment je m'apprends? C'est censé être dans le coin. Le transfert va être pire de l'autre. Il te note ou pas, si je l'ai en face de moi, j'hésiterai pas. Salut Chatounin. Ah bah ouais, on oublie des fois. Hein. Non, pas hier, non. Ah bah avant-hier. Ça va Chatounin? Et du coup, je sais pas où aller. Allez. Allez d'accord, il faut que je lui détourne l'attention. Est-ce que là c'est bon? Elle est occupée. Oh putain. J'avais pas vu ça comme ça. Je passe vite. Vite ici. C'était quoi ce bruit? Oh putain, je tournais trop vite. Aïe aïe aïe. On est passé. Oh non, je le savais. Du calme. Moindre piste, con. Mais il y en a partout des pistes ici. Vous voyez la R s'éclairer là-bas? C'est par là qu'on sort. Bon. Amicia, tu as la fronde. Tu passes devant. Hugo, tu surveilles la zone. Et pas un bruit. D'accord, entendu. Allez. Il me cherche encore. Ils ont tous des casques quand même, ça fait utiliser...
Allez, qui revient. Sacré bordel chez les Anglais. Jamais vu une explosion pareille. J'en ai encore les oreilles qui sifflent. On a pris le coupable. Qu'est-ce qu'il y a? Un jeune voleur qui est né. On a nos gars au sol ici. Faites gaffe. Il est au bastion pour interrogatoire. Il a de la chance. S'il n'avait pas des informations sur le petit, je suis sûr qu'on l'aurait taillé en pièces. Ça arrive tout ça. Laissez tomber. On les reverra pas de sitôt. Ah, c'est safe. Qui passe. Faut que je galope là. Alors, plus rien? Non, c'est juste des gamins. Je te parie qu'ils se terrent dans un forêt quelque part. Ça fait beaucoup d'hommes pour juste des gamins. Et le grand inquisiteur n'a pas l'air de ménager beaucoup le seigneur. On y est presque. L'air s'est fermé. Il y a toujours une porte plus discrète. C'est le carreau. Là, ne restons pas là. Allez. Je vous en prie. Trop aimable, votre Altesse. Content de vous revoir. Oh, tu as l'air en forme. Oui, j'étais dans une cage et puis on a fait une énorme explosion. Ça a fait boum et on est allé chez Millie. Elle dit tout le temps plein de gros mots. Hey, je t'entends. Et toi, Lucas, ça va? Hey, ça vous dit de faire ça en courant? Ou alors on reste là, on sort le vin, les poulardes et on attend de se faire tuer? Vous en pensez quoi? C'est vrai. Allons-y. Le château doit être tout proche. En route. Venez, l'aqueduc continue par là. Ça n'a pas été facile de votre côté, on dirait. Tu crois? Oh non, t'avais juste oublié de nous parler de l'Inquisition. Vous n'auriez pas accepté le marché. Et t'avais pas dit qu'ils étaient riches aussi? On va s'arranger. Va dire ça à mon frère. On va essayer de le libérer.
Qu'est-ce que c'est? Un accident? C'est un chariot de l'Inquisition. Oh. Lyra. Il doit y avoir des choses à prendre là-dedans. Je vois pas comment on va pouvoir passer. Oh, Amicia, j'ai quelque chose pour toi. C'est un dérivé de l'unifère, Luminosa. Tu l'envoies au milieu des rats et... Enfin, tu verras ça par toi-même. Tiens, prends. Alors, Luminosa. Synthètre, alcool et cuir. Mélange-les. Merci. Bonne nuit. Alors, Luminosa, il faut mélanger. Celui-là. Aux lumières qui détruit les rats. Ok. Lance-le sur les rats. Ah, Luminosa. Ah, ça pique les yeux. Ah, ils ont été pulvérisés. On va chercher des trucs là. Lucas, le chariot est plein de matériel alchimique. Oui, c'est logique. L'Inquisition n'aurait pas pu remonter jusqu'à la Macula sans l'aide de textes alchimiques. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais... En tout cas, ces chariots nous seront utiles. C'est cool ça. L'aqueduc, on arrive. Enfin. On va enfin savoir. Monte, je vais t'aider. Oui. On va monter sur l'aqueduc. Hugo, on dit aqueduc. Ah, aqueduc. Aqueduc. Mélie, où est ton frère? J'ai pas envie de parler de ça. D'accord. J'ai tout là. Ah, c'est les pierres. Mais. Wow. T'as l'œil. Monte. Lucas, ne me dis pas qu'on a fait tout ça pour rien. Non, non, non. Laurentius était plus malin que ça. C'est un tour d'alchimiste. L'or naît du plomb. La porte ne se révèle qu'à celui qui a trouvé la clé. Quelque chose comme ça. Moi, je préfère... Utilise tes yeux au lieu de parler. Qui passe en premier? Bien vu. Amicia? Allez, c'est plus le moment de reculer. Bien parlé. Oh, c'est vraiment bien foutu. Oh là là! Bon. Oh. Eh ben. Est-ce que c'est... la mer? Non. Juste une poche d'eau souterraine. Hé, hey, il y a un ponton. Des gens utilisaient ce lieu. On est sur la bonne voie. J'ai jamais entendu parler de cet endroit. Et le château? Il est où? Ça, pour le savoir, il va déjà falloir traverser. Mais le caillasse là. Voilà. Bon, j'ai vu des compos là. Voilà, bien. Des cuirs. Mmh.
Un bac à trail. Un quoi? C'est une barque tractée par une corde que l'on tire à la main. Il y a une manivelle. Cuir, du tissu. Mélie, tu peux t'en charger? Lucas! Viens faire ta part au lieu de roupiller. Oui. L'eau est toute verte. C'est parce que plein de choses vivent dedans. Elles doivent avoir froid alors. Tu sais, il y a longtemps, père m'avait emmenée au lac de Tours. J'avais glissé dans l'eau, et elle était tellement froide que j'en avais pleuré. C'est pas grave de pleurer pour ça. La barque n'attend plus. Oui, vas-y, monte. J'y vais. J'espère qu'ils savent nager. Accrochez-vous. C'est parti. Wow. Je vois pas de poisson. Oh, ça c'est à cause du monstre. Hein? Un monstre? Bien sûr. Les lacs souterrains sont magiques. Des monstres très vieux et très gros vivent dans le fond de l'eau. D'ailleurs, attention, ils ont aussi très faim. C'est pas vrai. S'il y avait un monstre, on verrait des grosses bulles. Tu as raison. Maman, elle disait que les monstres, c'est des choses... Des choses qui... Des choses auxquelles on n'a jamais donné de nom. Elle m'avait dit ça aussi. Moi, j'aimerais bien voir un monstre. Allez, on débarque. Oh, c'était trop court. C'est vrai, mais chacun son tour. Il n'y a pas de monstre ici, mais il y a peut-être une baleine. C'est gros une baleine, tu sais. Oui, mais une petite baleine. Pourquoi pas? Une baleine timide qui ne veut pas se montrer. Elle est timide parce qu'elle est petite, mais je suis sûre qu'elle est jolie. À votre tour! On arrive! C'est bon. Vous pouvez lâcher. Je suis désolée de t'avoir menti. Amicia et Hugo allaient peut-être mourir et j'avais peur. Je... T'en fais pas. On n'en parle plus. Mais tout ce qui me plaira au château, c'est à moi. Entendu. Ça y est, ils vont traverser. Fermé. Pas pour longtemps. Écartez-vous. C'est fait. Oh, et voilà, ça recommence. Ils m'avaient pas manqué, eux. Mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est... Non, que possible. Je dois voir ça de plus près. Cette... Qu'est-ce qu'il a? Ce brasier suspendu glisse le long de la tranchée. Lucas! Celui-là, dans l'autre sens. Du calme. C'est un système de défense. Comme un château? Comme un piège à rats, qui protège quelque chose. D'accord. Et comment ça marche? C'est simple. Les brasiers repoussent les rats dans la fosse et ils y restent. Alors profitons-en. Qui a construit ça? Je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air récent du tout. Viens, Lucas! On regarde. Viens, Mélie. Pendant que les hommes rêvent, il faut qu'on avance. Qui a construit ça? C'était... peut-être des chevaliers. Peut-être que des chevaliers n'ont mis la pierre et le mortier. Mais les artisans, oui. Et ils étaient nombreux. Lucas, le château, il a été construit il y a longtemps. Mais les rats, allez, ils sont pas là. À la porte. Longtemps. Je dois passer et de l'autre côté. Bon, allez, venez. Ça, ça me donne la chair de poule. Je vais te faire monter. Ouais. Oh. Puis c'est un endroit, c'est facilement... Qu'est-ce qu'on a ici? L'alcool.
Bien. Je m'occupe de la porte. Allez, passez, bande de feignants. Ah. Marche pas, là. Il balance son truc, lui. Pas à dire, c'est parfait. Efficace leur système. Allons-y. Suis-moi. Oui, oui. Encore une porte? C'est peut-être la bonne. Je demande juste qu'il n'y ait pas de rat derrière. Ellie, j'ai besoin d'un coup de main. J'arrive. Oh là là, ça commence à bien faire ces portes. Il est là! Le château! Wow. Il existe vraiment. Le château d'ombrage. Il est superbe. J'ai douté un moment, mais ça... Ça, c'est une légende d'alchimiste comme je les aime. Allons le voir de près. Le chemin, là... Tu peux ramasser ? Mélie, j'ai besoin de ton aide. Jamais été des trucs, hein. C'est bon. Alors, est-ce que ce serait ça, le fameux remède miracle? Oh, ça sent pas très bon. Un bon remède, c'est un remède qui pue. Ok, bon, c'est toujours ça de pris, hein. Oh, les rats! Putain. Je vois pas comment. Oh ça, l'éclair. Ils ont peur des éclairs. Essayons. Maintenant. Vous rigolez. Ouais, c'est de la folie. Plus jamais. Incroyable. Vivez ici. Trop loin. Encore un effort, Hugo. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. Allez, on va y arriver. Merde. Oh putain. Ouais, trop tôt. Ouais. C'est loin. Trop loin pour passer en une seule fois. Je me prépare. Hein. C'est le moment. Allez, allez. Ça va aider. Dis-t'en pas. Je vais t'aider. D'accord. Tout le monde va bien. On a réussi. On l'a vraiment fait. On a réussi. On y est. Regardez-le. Le château d'ombrage. Oh, il est encore plus gros d'ici. Entrons vite. Venez. Incroyable. La tour là-bas, ce sont les quartiers d'habitation. Elle doit avoir plusieurs siècles.
Ça a l'air d'être au sec, mais il y a une fosse qui nous barre la route. C'est plein de rats. C'est encore un piège. Il doit y avoir un autre moyen de passer. La porte, je pense. Elle est fermée. Tu veux bien y aller? D'accord. Elle est pas toute jeune, cette serrure. Oh, il y avait quelque chose de vivant là-dedans. C'est ouvert. Ils se sont tous donné rendez-vous ici, on dirait. Regardez, un brasier. Voyons voir si je peux l'allumer. Comme ça, on pourra faire bouger les rats. On va ouvrir un passage jusqu'à la tour. Je vais regarder. Lucas, veille sur Hugo. D'accord. Prête, Mélie? Du moment qu'on les dégage. Allez, le siège du château d'Ombrage. Deux filles contre des milliers de rats. L'histoire se souviendra de cette bataille. Regarde, ils changent d'enfant. L'îlot du centre a l'air accessible maintenant. Oui, c'est une bonne première étape. Je te laisse passer en premier, parce que les rats, c'est ton rayon. J'ai compris. Ah putain, d'accord. Avoir besoin de Mélie pour le pousser. Hey, regardez ça. Plus de doute sur l'utilité de la fosse. Oh, le brasier revient tout seul. Mélie, tu peux venir? J'arrive. Même si j'étais bien là-bas. Regarde-les. Ça grouille comme des nobles à la cour du roi. Mais c'est notre château. Cela aussi doit finir dans la fosse. Et bien sûr, ils sont du mauvais côté du brasier. Je vais devoir descendre voir ce qu'il y a là-bas. Très bien. Alors je te couvre avec le brasier. C'est ma vie que je mets entre tes mains, là, hein? Ouais, la routine, quoi. Dis-moi quand t'es prête. On va y arriver. Hugo sera en sécurité. On sera tous en sécurité. Pas monter là. Là, on peut monter. Qu'est-ce que ça me fait là? Tu peux arrêter, s'il te plaît? Ça marche. Tu peux t'en charger? D'accord.
Où est-ce que je peux monter là-haut? Quel rempart. Il y a un truc qui... C'est bon, arrête. Ouais. C'est là que je devrais monter. Ça va pas. Il y a un premier souci de... J'ai besoin que tu le fasses. Ça marche. C'est quoi ce lien? Vide l'enceinte extérieure. Ils vont venir vers toi. D'accord. Mais il y en a tellement. On n'arrivera pas à ouvrir un passage comme ça. Alors, il faut qu'on vide toute la cour. Eh ben, allons-y. De toute façon, je suis déjà trempée. Maintenant, je dois retourner à l'échelle. Il y a encore des rats en bas. Je vais avoir besoin du brasier. Il la ramène. Hein. Tous voir la tour. Oui, bonne chance.
mieux. Tu veux. Le pont. On ferait mieux de le baisser. Et c'est ainsi qu'Amicia l'Amazone et Mélie la discrète conquiert le château de l'ouvrage. Oh là. T'as trop lu de livres, toi, hein. Je... Allez, faut encore qu'on nettoie ce secteur en bas. On va avoir besoin du brasier du rempart. Je vais t'accompagner avec celui d'en bas. D'accord, je descends. Non, faut que je redescende en fait. Oula, c'est quoi ça? Ça va aller, c'est juste un vieux levier qui agonise. Tu trouves toujours les mots, toi, hein? Ça va aller. C'est ton château. Vous avez une sorte de lien. Notre château. Imagine, on pourrait vivre ici tous ensemble. Je suis plutôt une fille de cave, moi, tu sais. Comment je vais faire pour monter? Il faut avoir une échelle. Ces saletés de rats sont partout. Je sais pas, ici à l'Amazone. Tu as une histoire? Très drôle. Aussi. Non. Ça y est, la vermine arrive de mon côté. Je vais avoir besoin de toi. J'arrive. Bon, on est reparti pour un tour. C'est comme ça qu'on conquiert un château. C'est comme ça qu'on tombe malade. Non, pas dans ma version de l'histoire. Je suis pas sûr de pouvoir monter là. Coincé là, je peux pas remonter moi. Oh putain, ils reviennent. Oh purée.
géant. Pourquoi elle est sur le truc, elle bouge pas là? Château nous a sauvés. Oui, Laurentius avait raison. Pour célébrer notre victoire, ça vous dit pas qu'on aille se mettre au sec? Allez, tous à la tour. C'est parti, venez vous réchauffer. Ça a l'air immense. On aura le temps de mieux voir demain. C'est chez nous maintenant. Chapitre 8, chez nous. Tu faisais un cauchemar. T'es déjà debout? Oui, j'ai trouvé plein de choses. Viens voir, tu vas adorer. Allez, allez! C'est quoi ce bruit? C'est Lucas! Suis-moi, tu vas voir. Allez, ça me réveillera. Enfin, peut-être. Par là! J'arrive, je prends un compo, petit. Besoin. Jamais tout. Ok. Pour une blason quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a pas peut-être un pour briller. Une ficelle, je pense qu'au taquet. Ok. On va à la table vite fait. Et c'est aussi autre chose. On va avoir du travail. Ah, sur le truc, ça n'est pas ça. Il va falloir qu'on rapiace ces paillasses. Ok. Ah, il y a un truc ici. Pas vu. Les outils. Alors, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Pochette. C'est un peu le secret résultant de tir. Ah oui, ça s'en plaît. Attirail. Je fais ça tout le monde n'importe où. J'ai mis la pochette. Ça va me simplifier la vie. Ok. Ouais, on va aller voir le petit.
troupeau. Un lion vert qui dévore le soleil. J'espère que ce n'est pas une prophétie. Ok. Amicia, tu vas où? Je descends, tu veux venir? Ça va où comme ça? Lucas! Oh, vous êtes là. Bien dormi? Non, je n'ai pas fermé l'œil. Ce laboratoire est en mauvais état, mais il m'a inspiré. Je suis tout près d'aboutir mon grand œuvre. Vous pouvez m'aider. Oui. On doit faire quoi? Amicia, j'ai besoin de la fiole sur la table gauche. D'accord. Et moi? Je fais quoi? Il faut de la lumière pour le final. Hugo, une bougie. Oh, ça, je sais faire. Ça doit être ça. Lui donner, est-ce qu'il y a autre chose à ramasser? Tiens. Ah, oui, ici. Je suis plein. Salut, Evie. Ça va, tu vas bien? Écoute, très bien, on continue ce... A Plague Tale, qui est vraiment sympa. Hein. Tiens, autre chose? Oui, le concentré de sève de laurier, juste derrière moi. J'y vais. C'est quoi un grand œuvre? Ça se mange? C'est l'élixir qui éclaira ton chemin. Le flambeau du porteur de la Macula. Ça m'est venu comme ça, cette nuit. Voilà. Bien. Voilà. La larme de l'ange, le couronnement alchimique, l'élixir. Des jeunes peut-être pas, mais des gueux oui. Wow, oui, tu peux tuer les gardes. C'était pas censé faire ça. Oh. C'est pas grave, Lucas. Peut-être qu'on devrait te laisser te reposer, hein, Hugo. Bravo, Lucas. T'es un sorcier. Amicia, viens. Je te suis. J'ai pas vu de sarrasin encore. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il m'amène où là? Au fait, tu as vu Mélie? Non. Ah, elle est peut-être déjà partie. Oh non, je veux lui dire au revoir. Excellent. Tu sais qu'il est mort le postier, le Black. On va faire des siècles, un creuset d'alchimiste. Lucas sera content. Ouais, le postier, ouais. J'avais lu ça sur internet. L'acteur, il était antillais. Ouais, la Guadeloupe a été décédé, ouais, il y a pas longtemps. Amicia, viens, on fait tous les deux. Wow. Ça va, on rigole bien. Je suis sûre que l'Inquisition aussi. Mélie! Alors t'es pas parti? Viens. Ils sont venus, les malades. C'est le premier était excellent quand même. Il était vraiment très très bon. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce château est une ruine. Ah. Et c'est exactement ce qu'il vous faut. Ceux qui ont construit cet endroit voulaient vraiment pas qu'on les emmerde. Soyez sages et ça ira. Alors, tu vas partir chercher Arthur? Si je peux aider... Arthur, c'est mon problème. T'as entendu comme moi. Ces chiens de l'Inquisition l'ont emmené au bastion. Je sais où chercher. Je le trouverai. Amicia, viens voir. Écoute, avec Hugo, ça a pas l'air facile. Mais crois-moi, ça vaut le coup. Il te sauvera. Ils finissent toujours par nous sauver. Même si, tu sais, les frérots, parfois, t'as juste envie de les tuer. Les symboles, Amicia. Je te crois. En tout cas, pars pas sans dire au revoir. C'est pas mon genre. Amicia, viens s'il te plaît. Oui, Hugo. Qu'est-ce que tu as trouvé? C'est la petite fillette. Là en bas, c'est comme le dessin. Quel dessin? Celui de la salle à manger. Je vais te montrer. Viens. Je te suis. Je vais partir. Il est parti. Regarde, c'est les mêmes symboles. Tu as raison. Des armoiries d'alchimistes, peut-être. Tu as vu l'arbre? L'arbre? Viens, allez, par ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ah,
t'es fait de nouveaux amis? Oui. Qu'est-ce qui est bien fait? Franchement, graphiquement, il est... Il claque, hein. Ah ouais, ouais. Amicia? Le mari de Béatrice, aussi le dentiste, il est excellent. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. Tu sais, on va trouver un moyen de te guérir. Et puis, il y a Lucas et Mélie maintenant. Lucas, viens voir les papillons. Lucas a l'air de bien s'amuser, on dirait. Quand Jacouille prend le bain, on avait le Channel 5, là. Je sais plus ce qu'il chante, mais c'est atroce. Oui. Officiel. La macula progresse dans son sang. Les textes disent qu'il existe plusieurs seuils et qu'à chacun de ces seuils, le porteur risque de sombrer à tout jamais. Ah oui. Combien de temps avant? Putain. Pas beaucoup. Hugo approche du premier seuil. Mon maître et ta mère essayaient de retarder ce moment. Mais comment? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils travaillaient sur un élixir très complexe qui aurait permis à Hugo de se préparer. Et toi, tu saurais le faire? Je ne suis pas aussi savant qu'eux, mais leurs travaux s'inspirent d'un livre interdit. Le Sanguinis Itinera. Ça veut dire qu'avec ce livre, tu pourrais peut-être... N'y pense même pas. Le Sanguinis Itinera est un livre dangereux. Il est scellé avec d'autres ouvrages dans les caves de l'université. La zone grouille de soldats, ce serait se jeter dans la gueule du loup. En temps normal, oui. Mais en profitant de la confusion actuelle, on a peut-être une chance. C'est en ville, pas loin de là où ils retiennent mon frère. Si t'es prête à prendre ce risque, je peux t'aider à entrer. Merci. Bon, je vais aller préparer mes affaires. Retrouve-moi à l'intérieur quand t'es prête. Vous allez avoir besoin de matériel. Je vais m'en occuper. Hugo? Je suis vraiment désolée, je dois partir. T'inquiète pas, je vais rester avec Lucas. Bien. Je reviens vite. Le gamin, il commence à être bien malade. Les objets qu'on a trouvés. Au moins, ça nous évitera de les perdre dans ce bazar. Ça, c'était... Ouais. Celle qui chante casser la voix. Son accordéon. Ah, te voilà. Alors, c'est parti. Tiens. Et une dernière chose. Laurentius m'a dit un jour que le chemin qui mène au livre est semé de roses. Alors, ouvre l'œil. Des roses. D'accord. C'est compris. Ah, elle chante casser la voix, ouais. Elle le prend pour un catcheur cascadeur. Cascadeur, le Jean Raymond. Déjà, chapitre 9. Ah, c'est pour ça. Au Moyen-Âge, j'étais obligé de mettre une réplique dans le titre du stream, hein. La première règle de la survie, c'est de frapper entre les jambes. Mais la tête, c'est pas plus rapide? T'es vraiment trop gentil. Chut, c'est bon, on est arrivé. C'est quoi cette foule sur le pont? Les gens de la ville. On les évacue. Laisse-moi deviner. La morsure est ici. Bien vu. Et si la morsure est là, alors il y a... l'Inquisition. Voilà, t'as tout compris. Oh non. Tu le connaissais? Un voleur. J'ai travaillé avec lui. Il était bon. Alors c'est ça le châtiment des voleurs? La mort?
Ouais, et je veux pas retrouver Arthur avec ce genre de collier. Viens, allons-y. Promets. À toi, Mélie. D'accord. Je t'ouvre ça, et je file m'occuper d'Arthur. D'accord, mais au fait, c'est où l'université ? C'est le gros bâtiment à l'autre bout de la ville. Tu peux pas le rater. Est-ce que... tu penses qu'on se reverra ? J'espère bien. Tu m'es redevable. Mais... sinon, on va subir le supplice de la goutte. Je ferai de mon mieux. Voilà, allez, passe. C'est Jacquard qui subit le supplice de la goutte. Quel est le bide qui gonfle là? Les gens de la ville. Ils savent qu'ils vont mourir s'ils restent ici, mais tu crois qu'ils s'en iraient d'eux-mêmes? Allez, viens, on doit faire partir les derniers. T'inquiète pas, on a presque fini. La ville est à nous, on va pouvoir accélérer les opérations. Ces ordures, qu'est-ce qu'ils ont derrière la tête? C'est des combos cachés ici. C'est pas arrivé ça. Je suis fou là tout le temps. Il a le bit qui gonfle, après il a le nombril qui sort. Ils sont graves. Là, le premier il était vraiment très très fort. Hein. Doit être l'université. Cette lumière, j'aime pas ça. Bon, c'est vrai que c'est pas tout près, mais tu vas y arriver. Allez, Amicia. Choc, hein. Hé, hey, toi, là-dedans! T'es un des derniers, alors sors de là, ou on vient te chercher! D'accord, nous arrivons! Foutu bourgeois! Ouais, puis il fait cuire le... le jambon, je sais pas quoi, le parapluie, là. Avec la pâte à dents, point de pourrissement. Salut Juto. Ah, peut-être un problème de réseau. Ça. Moi j'avais eu quelques petits soucis pour streamer. Enfin, ça va mieux maintenant, ouais, ça, il y a des périodes comme ça. Faut que je fasse de conneries là. Ah, free, ouais. Attention. Dernier appel. Putain. Sur ordre du grand inquisiteur Vitalis, la loi martiale est instaurée et la ville sous contrôle de l'inquisition. Toute personne encore présente en ces lieux sera arrêtée et exécutée. La loi martiale ? C'est incroyable ! Pourquoi faire ça maintenant ? Ils sont mignons, Bon, mais là, je peux passer, c'est sûr. Ah, d'accord, t'es Skyrim. Alors attends, comment on va faire ça là? Ah. C'est gentil. Attends, il faut que je récupère ce combo là. Ok. Après, est-ce que j'ai les rats qui vont m'embêter là? Ah, j'ai du bout de bois, je vais bien, mais...
Mais j'allume le... Rien à signaler. Ah, je vais mourir. C'était pas par là. Ah, purée. Attends, j'avais fait ça, j'en avais refait. C'est quoi ce bacard ? Je pense qu'il faut que je me récupère à la branche pour aller au bout. On est planqué derrière le bras zéro. Bon, c'était rien. Là, j'ai des branches là, ça va quelque chose, c'est automatique. Ça ici normalement si je vais allumer le problème c'est que je vais essayer d'allumer là. La torche. Toujours rien. Et rien du tout. Bon, laissons tomber. Et puis il a un casque lui, alors lui, il faut que je pète le casque. Ça veut dire qu'il faut que je foute la lanterne. Tombe mais qu'il se fasse bouffer. Et puis après, il faudra que je fasse du bruit. Ici, sur un truc de droite. Pourquoi il revient pas à lui? Ah, bah ça va compliquer le truc. Elle vient ou pas? J'ai pas l'impression qu'ils reviennent. Mais il faut pas bouger. Ok, on va faire comme ça là. C'était quoi ce bruit? Lui il avance. Oh putain. Ouais, fini. J'ai plus l'autre. En gros, c'est le personnage principal. Tu es fille de noble. Et puis un jour l'inquisition arrive sur tes terres. Et tue ton père et ta mère. Et tu t'échappes avec ton petit frère qui souffre de mal en fait. Apparemment,
Il serait à l'origine de la peste. Donc des rats partout, l'Inquisition, il massacre toute ta famille, tout le village. T'échappe. Entre-temps, ta mère avant de mourir te dit d'aller voir un certain alchimiste. Donc tu te pointes chez l'alchimiste. Il est agonisant. Et tu rencontres Lucas, donc le plus grand des gamins, hein. Et il te dit d'aller au château d'Ombrage, là où on était. Et en tout temps, t'apprends que tu l'as vu comme moi, qu'il y aurait peut-être moyen de soigner ton petit frère. Mais pour ça, il va falloir aller piquer le bouquin. Voilà. En gros, c'est ça. Comment je vais passer là? Je suis obligé de faire ça. C'est quoi ce bordel? Il y a un truc ici. Ah ouais. Ouais, il est très très hein, très bien fait. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire hein? Je me supprime. Je vais le supprimer. Brantis. Ah mais j'ai plus de lumière moi après. Ouais, c'est ça. Ça. Je suis passé. Enfin, ça m'a coûté quand même bon. Quelques compos. Mais je suis passé. Très très bien fait. Franchement, c'est un très bon jeu. Pourquoi des pierres? Et les affaires de papa? T'as vu ce qu'ils font aux gens? On doit partir si l'Inquisition nous prend. Oh putain. Ça, c'est en fait c'est les rats la peste. Ils sont très très vénères. Ouais. C'est ça qui m'intéressait. Attends, il y a un truc. Oh, me dis pas qu'il faut que je traverse tout ça. Une poule. Je sais pas où je suis, mais au moins je suis encore en vie. Allez, rentre là-dedans et reste-y sagement. Non. Qu'est-ce qui se passe? Non. C'est mon mari. C'était ton mari. Il est condamné. Fiche le camp. Pas toute seule. Je peux pas partir sans lui. La ferme. La loi martiale, tu connais? Tu veux crever avant lui? Oh mon Dieu.
Je suis contagieux. Reste pas là. Je crois qu'il est... Je crois qu'il est un peu cher encore. J'en ai profité d'une réduc. Vous m'épuisez avec vos conneries. Il est un peu cher, je crois qu'il a plus de 40 balles. Oh, quelle horreur. Oh putain. Oh. Je suis en cercle. Je dois occuper ces rats. Je crois que j'ai trouvé. Ça va pas être chauvin. J'ai pas le choix. Putain. Hey, il est où, pendu ? Oh non ! Ah, ah non, si. Faut que je revoie ma tactique. Alors attends. Je pense qu'il faut que je monte la torche là-bas. Pardon. Faut que je vise la torche. En fait, une source de lumière. Je peux rien récupérer. Mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Oh putain, les gosses, c'est tout. Oh. Ça peut être utile. Ok, j'ai pas vu où était la garde par contre. Purée. Ça va pas être joli ça. Il y a trop de rats là-dessous. Je passerai pas sans les distraire. Les cadavres. Oh. Accroche-toi. Non, celle-ci. C'est immonde. Ça, ici celui-là, je peux peut-être faire quelque chose. Salopard, c'est encore vous qui foutez le bordel, c'est ça?
Et puis lui, il a le casque, donc c'est plus compliqué à le shooter. Mais... Rien du tout. Je sais pas s'il faut que je passe dessous. Oh putain, ouais, je fais une connerie. Ouais. C'est quoi ça ? C'est terminé. Oh putain. Hé, vous ! Putain, la vache. Se bouffer les corps là. Je peux pas actionner quoi que ce soit. L'éclairage je veux bien mais après. Encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Je me suis planté. Rien oh, alors. Soit. Ah, ça c'est pas moi ça. Oh putain. Oh. Il est chaud. Qu'est-ce qu'il avait sur lui? Ça va pêtre. Les compos ici. Un pot. Ok. C'est pas par là. Que je prenne le feu d'ici, descendant. Venu. Sur quoi je... Oh. Oh, non, regarde pas. Ne regarde pas. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Souviens-toi des écritures. Putain. Ad ignem, ad lucem. Oui, bah c'est un an. Mais ouais. Aïe, 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 aïe. On va faire celui-là. Un dévorant 10. Ok. Salopard. Il y a encore vous qui foutez le bordel, c'est ça? Ah, tiens. Oh, super. C'était chaud. Hein. Alors. Ok, j'ai tout pris. Le pot, j'en ai déjà un. Le bout de bois. Je vais essayer de la gauche ce coup-ci. Attends, on va voir ce qu'il y a. Un flambeau. Ouais, je pense que c'est le mieux. Par la gauche. Sur quoi je... Oh. Oh, non, regarde pas. Ne regarde pas. Fidèle à ma foi. Je dois être fidèle à ma foi. Souviens-toi des écritures. Ad ignem, ad lucem. Oh.
contre ton chaman. Pour des compos. Ah oui, mais ça suffit pas. J'aurais dû trouver cette fois-ci. Ça passe. J'y arriverai pas. Oh, j'oublierai jamais cette odeur. Chaud patate. Donc là, compo. La compo. J'ai quand même utilisé pas mal de trucs là. Tu vois, allez Amicia, continue comme ça. Putain, les chiens tout. Le cimetière, il est sur le chemin. J'ai vraiment pas envie de passer par là. C'est quoi ce truc? C'est fermé ou quoi? Melly était là. Allez, il doit y avoir un autre moyen d'entrer. Comme partout, quoi. Oh. Ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Ah, c'est la lumière. Mais pourquoi? J'ai pris les combos ou pas? Non, c'est l'un d'autre. Hein. On risque rien. Ah, ils sont là. Okay. Cheval. Ouais. L'université. Tu vois? Allez, Amicia, continue comme ça. Le cimetière. Il est sur le chemin. Ouais, alors j'ai vraiment pas envie de passer par là. Ça vient de l'Inquisition. Ça doit pivoter. Efficace. Le grand inquisiteur ne fait pas les choses à moitié. Ok. Direction de la porte, ouais, je pense que c'est le mieux. Non, au moins là, ils viennent pas. Bien vu, vide. Ah, attends, je vais voir si j'ai tout ramassé. Allez, quoi, donne-moi au moins quelques pièces. Oh, non. Alors, tu vois, tu peux crafter, tu peux améliorer ton équipement. Donc là, corde, c'est la fronde. Et ici, je peux améliorer ma poche. Ça va me simplifier la vie. Ok. Donc là, je peux stocker plus d'objets. Qu'est-ce que je vais trouver en haut? Ah, t'as bien quelque chose. Un truc précieux.
On a tous un trésor. Allez, Amicia. Quelque chose, allez. Ça va pas commencer. Ça t'apprendra. Je l'oriente là parce que sinon. Que je puisse sortir tranquillement, ils sont en train de le bouffer de toute façon. Une fenêtre, parfait. Le plus dur à ce jeu, c'est de décrocher après. De le découper pour faire plusieurs streams, tu vois. Maître, voici l'épisanguis. Ah, voyons ça. On dirait presque Loki. Parfait. C'est Loki, moi. Mais ça moins sa bonne barbe. On sait que ça vient des rats, mais... Loki, c'est... À quoi ça sert? Ah putain, comment il s'appelle celui de Viking? Nous appelons cela Odorous. Oh. Ah. Floffy. C'est un des nombreux Floki. Effets de l'épisanguis lorsqu'on le mélange avec du soufre. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse. Mais... Pourquoi on ne pourrait pas équiper nos troupes avec ça? On pourrait... C'est bien trop précieux. Chaque cristal d'épisanguis doit être consacré au projet. Par ailleurs, avec ces cristaux, nous avons déjà rencontré plusieurs... Comment pourrais-je dire? Des accidents regrettables. Apportez ça au bastion. Ce sera tout pour aujourd'hui. Des accidents regrettables. Imagine, tu t'en renverses sur les pieds. Tu finis ta patrouille cul-de-jatte. C'était pas très finaux à l'époque. Bon. De l'épisanguis? Qu'est-ce que c'est? Je dois voir ça. Oh putain. Le problème, c'est que... Ils sont partis. Allez, c'est juste un cimetière. Oh putain. Oh, encore des morts. Et après on va nous parler de Covid hein. À cette époque là Si j'en ai encore. Tiens, tiens. Alors c'est ça l'épisanguis. Bien. L'épisanguis et soufre. Reste à les broyer ensemble. Bon, on va se casser d'ici. Hein? Comment on se casse d'ici là? Hein? Oui, après il est là. C'est quoi? Épisanguis attire les rats aux alentours. On fait rien. Bon, il reste plus qu'à essayer. Lucas, ça c'est pour toi. Ok. Ça marche! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Ouais, c'est ça, c'est qu'à l'époque. Ouais, tout à fait. Non, non. Comment? Oh purée, je me suis écarté du truc. Ah, il faut faire gaffe tout le temps. Alors, c'est ça l'épisanguis. Viens. L'épisanguis est souffre.
broyer ensemble. Bon, il ne reste plus qu'à essayer. Lucas, ça c'est pour toi. Ok. Ça marche! Ça va me sauver la vie. Il faut que j'en trouve plus. Souviens-toi, l'effet ne dure pas longtemps. Ok, il faut que j'en trouve un paquet, quoi. Est-ce qu'il y en a là dans le trou? Oh putain, je sais pas la même connerie. Il y en a ici. Peut-être pas. Il y a toujours passé là. Dépêche. S'ouvre ici ou pas? C'est fermé. Ok, n'attends pas. Là-bas, on dirait la sortie. Allez, j'y suis presque. Alors... Là j'ai un faisceau lumineux. Ça c'est sûr. Je vais être obligé d'en refaire. Au faisceau. J'y suis. C'est affaissé. Je dois trouver quelque chose pour me hisser. Te hisser. Passe pas ou quoi? Ici. Non, attends, je ramasse les compos. Celui-là. Alors attends. Il y a un paquet ici. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Oh. Chaud. Une charrette. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Une charrette? Ils éclairent vers où là? Là ici. Ça marche pas bien. Hein. C'est la merde. Une charrette. Hein. Où est-ce qu'elle est une charrette hein? Ça les crame. Oh putain, il y en a partout. Pas de chose, hein. Je vais vraiment je vais mettre au bord. Ça sera assez. On va voir. 6 plus 6. J'ai pas vu la charrette. Elle est où la charrette? Ah oui, je la vois. Oh purée. Est-ce que je passe dessous là? Pas bien. Ah, je passe pas. Oh
Oh, le problème, c'est que là, j'imagine le temps d'aller la chercher. Le sol s'est affaissé, c'est ce qu'elle disait. Et tu vois ici. Il faut que je la mette ici. Il faut que je la fasse tomber. Pour. Certainement pour grimper. Oh putain, j'ai dû. Là, je peux pas monter. Je vais chercher la charrette. Qui est là-bas. Ça va être coton. Donc je suis désoccupé. L'odoris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. J'ai pas compris là. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Tu vois, c'est ça. J'en ai en bas déjà là. Sinon, je vais le détruire. Hein. Tant pis. Hein. Ça va me coûter un peu de compo, mais. Ouais. Ben, apparemment, elle veut les détruire définitivement. Alors... Attends, c'était où ? En bas, il y avait pas mal de trucs. Il y avait en bas, je l'avais oublié en bas. Je peux les détruire, non ? C'est pour les détruire, c'est... Voilà, c'est celui-là. Là, j'en ai qu'un. Tu roules encore. Oh putain. C'est pas vrai. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Ah, c'est ça, il faut que je la fasse descendre. Le problème c'est que. J'ai qu'une lumière là. C'est ça le problème. Pourquoi je peux pas? J'en ai qu'une. Il y a un combo là-bas. Ouais, j'ai entendu parler, ouais. J'aurais bien fait, mais c'est sur...
sur console, sur Play. Alors on va le détruire ici. Ça donne quoi là? Ça va revenir. Oh, putain, forcément. C'est lequel la Dévorantis? C'est celui-là. Doris. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. On relâche. On relâche un faisceau. Un dernier coup. Réfléchis, tiens, réfléchis. Tu peux attirer Sera où tu veux. Tu dois les coincer. Mais qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? C'est vilain. Je me suis bloqué la chariote. Hein. Les attirer dans ce renfoncement. Non, oh, putain, mais c'est pas vrai. Et ils vont me faire craquer, hein. J'arrête. Si j'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. Oh, putain, j'ai oublié ça aussi. Ici, en tout avant. Bon, je crois que j'ai trouvé le moyen. Je me sens pas bloqué comme un gland. Ça va être plus facile. Il m'en faut taquer de ça. On va chercher le reste. Ah, faut y aller par touche. Et surtout pas se bloquer. Comme j'ai fait. Ça suffit, hein. Ils sont vénères, mais... Ok. Non. Ouais. C'était calme, hein. C'était calme, hein. J'arrive à la placer en bas, je pourrais grimper dessus. J'ai posé le truc, ils sont pas allés, c'est con. Putain. Ici non? Ici. Ici. Alors en bas. Ok. Déjà, je vais récupérer. Allez. Ok. Trois, c'est peut-être pas suffisant. Doris ne les retiendra pas assez longtemps. Je dois les coincer une fois pour toutes. Ça y est, se casse. Ouais, dépêche-toi là. C'était juste.
tirer Sera où tu veux. Tu dois les coincer. Je peux me traverser à la lumière. Hein. Les attirer dans ce renfoncement et les bloquer avec la lanterne. Ça gagne, hein. Si on récupère comme ça. Oh, oh non. C'était vraiment très discret. Bien, Lucas l'a déplacé. Mais où? Tu vois, tu t'en sors. Tu t'en sors bien même. C'était chaud, hein. Sec. Oh, c'est pas vrai, mais qu'est-ce qui s'est passé ici? J'y suis presque. Lucas, t'as intérêt à exister, ton livre. Oh mon Dieu, ils ont massacré tous les malades. Oh, les rats, ils ont lâché les rats. Aidez-moi. Je peux rien faire. Je suis désolée. Il est mort aussi. C'est pas possible. Ils ont utilisé les rats contre les malades. Qu'est-ce que vous avez de si important à dire pour gueuler comme ça tout le temps? L'odoris. Une pour essayer. Ils vous donneront une bonne raison de crier, vous verrez. On a des artistes du couteau. Ça a marché. Parce que c'est trop tard pour vous. Clémence. Mais rassure-toi, tous les autres seront bientôt sauvés. Hé hey! Arrêtez de les balancer dans l'eau. Ils finissent tous de l'autre côté. On peut plus patrouiller là-bas tellement... Oh, tellement ça pue. Ben, vous avez de la chance de sentir encore quelque chose. Les rats, oh, tu peux.
Anguis, les cages, c'est pas une simple évacuation. On va tous tomber malades à rester ici. On se passera le mal les uns aux autres, jusqu'au grand inquisiteur. Et il restera plus personne. Mais ta gueule! T'as pas fini de chialer? Je veux plus t'entendre, pas un mot! Donc forcément... La lumière, elle vient non pas. Le casque lui ou pas? Non, il n'a pas de casque. Ah, la lumière, d'accord. Ici. Même pour ici, on est plus bien. Bien. Il y a quoi? Et tout. Je brûle dedans. Dites ce que je dois faire. Je sais pas. Boire. Oh non, ne buvez pas ça. C'est un cauchemar. Oh putain. Allez, courage. L'université ne doit plus être très loin. Il est mort direct. C'est fermé. Vitalis, le boucher qui a tué mon père travaille pour toi. Son sang est aussi sur tes mains. Est-ce que je peux toucher le... Ici, qu'est-ce qu'on va perdre? Ça c'est fait. Est-ce que je peux l'atteindre lui? Attends.
il peut plus descendre en même temps parce qu'il a des rats. Et quel chapitre 9. Par où je peux passer là. Essayer de repasser par là. Merci Evil, à très vite, merci de passer. Il n'y a plus de lampe, ok. On peut essayer le... s'est fait démonter. Même par contre. C'est de passer en force. Rien.
première fois, c'était... Déjà trop. Allons-y. Ces alchimistes. Ils sont lourdement armés. Toi, arrogant. C'est trop risqué. Au moins, ils savent lire. Ça leur donne pas le droit d'être cons. En tout cas, il y en a un qui disait que Vitalis va pas bien. Je savais que ça allait arriver. Nous devrons prier pour lui. Je savais que le grand inquisiteur était souffrant, mais là... Et trop de gens lui ont tourné le dos malgré ce qu'il fait pour nous. C'est un saint, mon frère. Un saint. C'est de continuer un petit peu. Université. Bon, le livre. Souviens-toi de ce qu'a dit Lucas. Au sous-sol, le chemin est semé de roses. Des roses ? Où je vais trouver des roses ici ? 6, 7, 8, 9, 4, 1. Logiquement. Je suis au chapitre 10, il y a 17. Je m'en fous deux fois. C'est le forum deux fois. Le dit prochain, le dit prochain. C'est la meilleure question. Enfin, comme ça. Demain, on repart sur. F14. FF14 avec Château Nebad. Pour Twitch. À demain.